Good morgen! Allez, Iden et les Sucres aujourd'hui, le Nishmat, Machlofin Chaben Masouda Nachman Yosef Ben Nachum, Avraham Chainor Ben Fortune Mazal Dov, Ben Yehudit et Nissan Ben Mafret. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Tamid Perek Bet Mishnah Aleph. Ra'uhu Echav Sheyarad. Vehem Ratsu Uvaou. Miharu Vekideshu Yedehen Veraglehem Minakior. Natlu et Amegrefort Vetatinorot Vealou les Rocha Mitbeach. האיברים והפדרים שלא ניתקלו מי בערב סונקין אותם לצדדי המזבח, אם אין הצדדים מחזיקין, סודרין אותן בסובב על הכבש. On a continué, on a découvert plutôt dans le Perek Rishon quelle était la première melacha, la première avoda du Bet HaMikdash. Le but c'était la Tourmat HaDeshen. Il y avait un Kohen qui était tiré au sort, qui avait le mérite de partir prendre les cendres de ce qui a brûlé toute la nuit, et le descendre au Bet HaDeshen, le pas au Bet HaDeshen, plutôt le Makom HaDeshen, ça s'appelle, une première pelle de cendres. Après, maintenant, il fallait faire de l'ordre sur le Mizbeach. Tout d'abord, je corrige une petite erreur. Je vous ai dit qu'il devait prendre ses cendres depuis le Tapouar, c'est pas depuis le Tapouar, c'est depuis la Maracha, je m'explique. On apprendra, on aura l'occasion d'apprendre qu'il y avait sur le toit du Mizbeach, ouais, il y avait d'abord, peut-être que vous ne savez pas, mais il y avait de la place pour marcher, c'était gigantesque. Ça fait, imaginez, depuis en bas, ça faisait l'équivalent de 32 hamas, 16 mètres sur 16 mètres, un carré, ça c'était en bas au socle. Maintenant, quand on est monté, on est rentré déjà deux fois, on a perdu deux hamot, on se retrouve avec 24 hamas ici, donc ça fait 12 mètres sur 12 mètres, ça c'est grand. Et il y avait plusieurs bûchers. Il y avait la Maharacha Gdola, Maharacha Shnia Shel Ktoret, elle est ici, il y en aura encore une autre, on aura l'occasion de les découvrir Bezrat Hashem au fur et à mesure. Et la Maharacha Gdola, c'est le lieu essentiel où on fait brûler tous les membres, toutes les graisses et tous les membres de Holot à brûler toute la nuit. C'était sur la Maharacha Gdola, pas au Tapouar. Le Tapouar, on aura l'occasion de le découvrir dans la prochaine Mishnah, c'est les restes des cendres qui dérangent en fait le feu pour mieux brûler. On va le prendre, on va le mettre sur le Tapouar, on aura l'occasion de découvrir dans la prochaine Mishnah qu'est-ce qu'on fait exactement. D'accord, donc en fait, la Tourmat HaDeshen, toute la nuit on a fait brûler, c'est-à-dire qu'il faut partir dans la journée de la veille, on a fait toutes sortes de korbanot, il y avait des holot, des chataot, des shlamim, il y avait toutes sortes de korbanot, où on a aspergé le sang sur le misbéach pendant toute la journée. Depuis la tombée de la nuit, on a arrêté de faire des korbanot, mais on faisait quand même monter durant toute la nuit, on faisait monter tous les membres qu'il fallait brûler, il y avait toutes les graisses de tous les korbanot, on n'était pas obligé de monter tout de suite sur le misbéach pour les brûler. Donc toute la nuit, il y avait moins de pression au Beth Amikdash. Les Kohanim, ils organisaient bien les graisses, ils les faisaient monter. Il y avait pour les Olot, un Korban Ola, il fallait faire monter tous les membres sur le Mizbeach. On faisait tout brûler sur cette grande Maharacha Gdola. D'accord? Ouais, sur le toit du Mizbeach, il y a la Maharacha Gdola, le grand bûcher. Et donc, c'était de ce bûcher que le Kohen qui avait été tiré au sort, prenait la pelle, et qui descendait, qui déposait ici, sur le Makom HaDeshen. Ça c'était, donc, pour conclure, la fin du Perek Rishon. Maintenant, dès qu'on a vu, la Mishnah commence en me disant maintenant, Ra'uhu Echav Sheyarad, dès que ses frères l'ont vu descendre, vous rappelez qu'il y avait tous les Kohanim qui étaient restés ici, à côté des Lishkat Osechavitin, dans l'endroit où on faisait la Mincha du Kohen Gadol, l'oblation, on la faisait ici, et là se trouvaient tous les Kohanim. Il était parti tout seul, le Kohen, le délégué qui avait été tiré au sort, il était parti se laver les mains, il avait ramassé la pelle, il était monté sur le Mizbeach, il était redescendu pour le déposer sur le Makom HaDeshen. Alors, lorsque la Mishnah me dit, Raou et Chav Sheyarad, lorsque ses frères le voient descendre donc sur la rampe du Mizbeach pour monter, lorsqu'ils le voient, Vehem Ratsu Vaou, et eux ils se mettent à courir et à venir, tout Beth Amikdash se passe avec feu et avec grosse ambiance. De Beth Elohim n'a l'air beregesh, il fallait toujours être vif. Ouais, pas quelqu'un qui arrive à la synagogue en traînant la patte. Non, il arrive avec feu, il a la pêche, il est heureux de servir Hachem et fier, tout feu, tout flamme. D'accord? Et bien, c'est la même chose au Beth Amikdash, il y avait de la zrizout au Beth Amikdash, du zèle. Et Vehem Ratsu, donc ils ont couru et ils arrivent tous, où ça? Miharu Vekitu et Demreglem. Tous les konim se mettaient à courir, ils arrivaient tous ici pour se laver à tour de rôle les pieds et les mains. Mina Kior, depuis le Kior, depuis le robinet. Natlu et Amagrefot. Ensuite, une fois qu'ils ont fini, ils ont fait Kiddush Adem Raglim, ils ont le droit de commencer à servir. Qu'est-ce qu'ils vont faire?
Alors, premièrement, je lui donne d'abord le timbre général des prochaines Mishnayot. Il va falloir faire de l'ordre sur le Mizbeach. Le but, je le dis, il y a ici les bûches qui brûlaient sur le grand bûcher. C'était celle de la veille. Ça y est, c'était déjà devenu descendre. Donc, il fallait refaire de l'ordre. Mettre les cendres là où il fallait, réalimenter même plutôt le bûcher ici, allumer aussi d'autres bûchers comme ce qu'on verra. Donc le but c'est d'arriver à faire de l'ordre. Maintenant pour faire de l'ordre sur le Mizbeach, il fallait tout d'abord natlo et amegrefot vetatsinorot, il fallait prendre les magrefot. Une magrefa c'est une pelle, vetatsinorot c'est des fourchettes, des grosses fourches plutôt. Vealou les roches à Mizbeach et tous les konim se mettaient à monter sur le Mizbeach. Ils montent sur le Mizbeach. Donc ils arrivent maintenant sur la Maharin Chagdola, le grand bûcher, et quoi? Ha'evarin va pedarin shelonit aklum iba erev. Les membres et les graisses, pedarim, le Torah utilise le mot peder, c'est pour définir les graisses qu'il fallait brûler sur la misbar de chaque corban, shelonit aklum iba erev, qui n'ont pas été consumées, ou mangées littéralement, consommées, mais en fait qui n'ont pas été consumées depuis la veille, eh bien, sonki notam lisdada misbeach. Pour pouvoir faire de l'ordre, il fallait d'abord les pousser sur les côtés du misbeach. Les travailler proprement. On prenait tous les membres qui étaient là, qui n'avaient pas encore bien été carbonisés, bien réduits en cendres, on les prenait, on les déplaçait. Et comme ce qu'on va voir dans la Mishnah, c'est pour ensuite pouvoir vider les cendres qui étaient en dessous, mais ça, la Mishnah ne nous le dit pas pour le moment. Pour le moment, elle me dit juste donc que tu ramasses pour le moment les membres, tu les mets sur le côté, ouais, mais salkin, sonkin otam lizdadeh amizbar. Donc on les déplace sur le côté du misbar. Sonkim, c'est comme solkim, les salek. Ouais, le nun et le lamed mitralfim. C'est des lettres qui se changent parfois par la signification des mots. Ve'im en sonkim otam litzdade amizbeach. Maintenant, la Mishnah continue en disant Imen atzadin machazikin. Si toutefois, il n'y avait pas cette place sur les côtés du misbeach pour pouvoir brûler tous les restes, vous imaginez bien que pendant les régalim, imaginez, le korban pesach, la Mishnah parle de millions de korbanotes. De chaque korban, il fallait prendre différentes parties du gras. C'était des grosses quantités qui brûlaient durant toute la nuit. Alors, im en azadin marzikin, s'il n'y a pas de place pour mettre ça sur le côté, qu'est-ce qu'il fallait faire? Sodrin otan bassovev à la kevesh. Alors là, il y a un petit problème, comment on commence cette phrase? Je traduis littéralement, quoi qu'il arrive. Sodrin otam, on va les organiser, on va les poser. Où ça? Bassovev, sur le sovev. Le sovev, là on ne le voit plus, il faudrait prendre en fait une tranche, transversale, quoi, du misbéar. Pour voir qu'en réalité le... Attendez, peut-être qu'on l'a ici. Ce sera plus... Ouais, n'importe quelle photo que vous pouvez voir du Mizbeach. Vous voyez que le Mizbeach, peut-être je le rapproche de la caméra, avec le Mizbeach, il monte, il commence à monter, il y a un socle, il monte, il rentre une amas, il monte 5 amas, il rentre encore une fois une amas, et après il continue à monter, regardez ça de près. Je le rapproche ici, comme ça vous l'avez sur la photo. Vous voyez que le Mizbeach, donc, il est ici, ça monte un petit peu, ça rentre, et ouais, d'accord, on s'est compris. Et donc là, le sovev, c'est la partie qui arrivait à la moitié de la hauteur du misbeach. Le sovev, donc il fallait, la Mishnah me dit, tu le mets sur le kevesh, sur le sovev, à la kevesh. C'est une phrase un peu floue qui me dit, sur le sovev donc, c'est la petite corniche, on va dire, où les kohanim, on pouvait faire le tour là-bas sur le sovev. On avait appris dans le Korban Khatat que le kohen montait et aspergeait le sang en faisant le tour sur les quatre coins du Mizbeach, alternant à Mizbeach, et donc il y avait, ça représente la moitié de la hauteur du Mizbeach. La Mishnah me dit une phrase floue en me disant que les membres, donc je reprends, les membres qui étaient sur le bûcher, qui nous dérangent pour organiser pour réorganiser un petit peu le bûcher, vider les cendres et mettre les nouvelles poutres comme ce qu'il y a dans la prochaine Mishnah Yot, tu les mets sur le côté qui sont sur le toit du Mizbeach. S'il n'y a plus de place sur le toit du Mizbeach, tu les mets sur le Sovev, sur le Kevesh. Tu les mets dans le Sovev, sur le Kevesh. Tu les mets donc sur cette petite corniche, ce rebord, sur la rampe. C'est une phrase floue. En réalité, le principe, il est très simple. Il faut les mettre, tu les déplaces dans un endroit où tu n'auras pas besoin de te fatiguer pour les ramener, donc tu les mets sur le Kevesh, sur la rampe. Mais en veillant particulièrement à ce que tu ne les mettes pas à un niveau... à une hauteur inférieure de la moitié du Mizbeach. Pour la simple raison que maintenant, on a des membres qui sont sur le Mizbeach. Tant qu'ils restent sur... maintenant, on a passé la nuit. Vous savez, le psoul de Lina, vous en avez déjà entendu parler.
quand on a utilisé Zvachim, on avait déjà découvert plusieurs fois, Soud de Lina, c'est un korban qui a passé la nuit sans être brûlé sur le Mizbéach. On n'a plus le droit de faire monter sur le Mizbéach. Par contre, les membres qui sont en ce moment sur le Mizbéach, qui ont commencé à brûler, tant qu'ils restent sur le toit du Mizbéach, il n'y a aucun problème, tu les fais brûler jusqu'au bout. Si toutefois ils vont descendre du Mizbéach, tu ne pourras plus les remonter. Il y a un interdit sur ça, ça rapporté dans le Tirat d'Israël, le Mefaresh rapporté dans le Tosot Yom Tov, il nous dit que on transgresse l'interdit de. Il y aura un interdit de Lina. Ouais, ils auront passé la nuit à l'extérieur du Mizbéach, puisqu'ils sont arrivés jusqu'au petit matin, puis après, pendant un instant, ils sont plus à leur place. Donc, il faut absolument qu'ils restent sur le Mizbéach. Rester sur le Mizbéach, ça implique rester sur la partie supérieure du Mizbéach. De ce fait, tu restes a priori sur la toit du Mizbéach, au pire, tu descends sur la rampe, mais à condition de rester à la hauteur qui ne passe pas sous la hauteur du Kievesh. Ok? Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Kol Tuv Selah.